de Metal Academy. On est tout excités parce qu'on est comme dans une nouvelle salle. C'est comme fourrer une nouvelle fille. C'est comme spécial. Tu rentres doucement. Ouh, c'est doux. Et là, tu vois que ça pue quand même les toilettes. Hey! Ceux qui n'ont jamais vu le spectacle, ça incite beaucoup de niaiserie. Alors, c'est pour ça que je suis pas payé pour faire ça, alors je suis sûr. Alors, merci d'être ici ce soir en grand nombre, à date. C'est très bon signe. C'est mieux que toute la saison au complet. Alors, je voudrais remercier le bar Lambie de nous avoir accepté ici. Ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer, mais ça devrait être beau. Alors, on ne remercie pas la Lisée d'être qu'est-ce qu'ils sont, parce que sinon, on serait encore là, ça serait cool. Mais ça n'était pas, mais tu peux m'arriver là. D'autres jokes sur la visée vont arriver, mais c'est pas vraiment célèbre et j'en ferai pas. Alors, d'abord, je vais remercier nos commanditaires. Cette année, les commanditaires, pour ceux qui n'ont pas entendu les 50 fois j'ai répété tout le monde, c'est toutes des compagnies de prod à travers le pays, surtout le Québec, l'Ontario, qui le gagnant de l'événement va avoir plein de shows à 50$ bookés. Avec plein de bandes dont on se calisse. Mais ça devrait être vraiment cool, cette addition, c'est au moins 70$ de salaire à la fin de la saison. Alors, nos ultimes commanditaires, on a Inertia de Toronto. On a aussi. District 7 de Québec. On a Extensive Enterprise de Montréal qui organise des shows awesome. Il y a aussi Hellstorm Production, Black Widow, SM, Warpig Extravaganza. On a aussi Black Chapter, Arcane North. SPM, qui est mon préféré. C'est une compagnie de prod vraiment frustrée, mais sont cool. Aussi, dans nos commentaires cool, les gens de Homeshock avec Medal sont là à chaque événement, prendre des photos de moi dans des autres positions, Canadian Production, lui aussi Dynamic Design, etc. Alors, Extreme Prod aussi, qui organise cette fantastique événement. Alors, ce soir, êtes-vous prêts à avoir du fun? On est là, qui sont connus que par vous, faire une prestation ici pour moi. Puis quatre juges, trois juges, awesome, ce soir, comme à chaque année, depuis deux ans, on a Lex de Honchoc, que je présente toujours pas du tout, ou à la fin. Alors Lex, il est comme, je dirais pas mon bras droit, parce qu'on mon bras est plus gros que lui, mais il est comme mon supporter, évidemment, il niaiserait avec moi, il rend ça, il rend un peu ça crédible, vu l'âge qu'il a. Alors Lex, ce soir, on a aussi des invités spéciales, juge numéro 1, tout le monde ici, il était pas né, il a commencé à faire de la musique, Vincent P. de Ruby of Bar, mesdames et messieurs, le Gloutti! Le gars, et si on vendait son sang, on appellerait ça vendre des stéroïdes. Il y a plus de testostérone qu'un gym, plein de homos qui se touchent. Il y a plus de barbe que bien du monde ici. Alex Leblanc de Mass Murder Messiah! Y a-tu des fans de Mass Murder ici? Je vois pas de palais en vie. Mais s'il y en a qui veulent, il y a le lancement de l'album demain. Ben pas demain, mais samedi le 10. Non, demain. Demain le 9. C'est demain. C'est demain. Demain le 9 au petit campus avec Ken Sarek, Dark Century, Sharon of the God et bien sûr Mass Murder. S'il y en a qui vend des CD, un CD pas sorti encore, vous pouvez l'écouter seulement à partir de minuit. Je vois que tout le monde ici aime juste Price, mais qui s'approche pas. C'est vraiment hot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut un? Non? Ok? Une fois. Hey, ton band, il pointe pas, bro. C'est bon, c'est le chanteur du band. Ok, fait que. Alex, il va me tabarnak. C'est pas que vous avez vu, hein. Vous avez vu de quoi il y a l'air? Vous sentez pas de ça. Fait que. Tiens, je sais que t'en veux. Ouh! Ok! Alors! Le premier band de la soirée! Gagnant de la troisième soirée de la saison. Un band de tendance trash, tendance power metal. Ils ont l'air un peu des. Tu sais, le helper d'un bateau de pirate, là. Des larrues de plancher. Ils sont en chest, ils ont du poil, ils ont des cheveux longs. Ils font des sweeps et plein de sons bizarres. Chers amis, préparez-vous pour Archetype. Thank you.
Bye.